Sophie, on va s'amuser un peu. Oh, toi, je sens que tu vas encore inventer une grosse bêtise. Mais non, on va juste aller taquiner les poules dans le poulailler. Si jamais grand-père s'en aperçoit, tu vas voir la crise. Mais non, on dira qu'on leur donnait du pain. D'accord, mais attention, hein, on ne casse pas d'œufs comme la dernière fois. Nos deux amis rentrent dans le poulailler. Les cocottes ne sont pas sottes, elles sont plutôt rigolotes. Et avec leur petit bec, elles picotent du pain sec. Les cocottes sont rigolotes, elles caquettent comme des bicotes. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter avec leur cocotte codée? Ce matin dans la basse-cour, dès que s'est levé le jour, toutes les poules et les poulettes ont fait la fête à Blanchette. La belle a fait trois poussins, trois cocos, trois petits coquins. Piou piou des qui pia pia dans leur nid et dans la paille. On dirait trois petits jaunes d'œufs qui jouent dans un panier neuf. Il faut bien les protéger, un vilain pourrait rôder. Papa coq filet sans pain, des fois qu'il y aurait un chat. Pendant que pour les poussins, les poulettes ramènent du pain. Regarde, la Blanchette a fait trois petits poussins. Oh, comme c'est mignon. Les cocottes ne sont pas sottes, elles sont plutôt rigolotes. Et avec leur petit bec, elles picotent du pain sec. Les cocottes sont rigolotes, elles caquettent comme des bigotes. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter avec leur cocotte codée? Non, 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 il faut pas y toucher. Oh ben j'en avais pas l'intention. Tu as vu comme le papa coq nous regarde de travers? On dirait qu'il va nous sauter dessus. Attention, ne fais pas de bruit, tu vas les effrayer. C'est moi qui suis effrayée. Puis une froussard, hein, comme toutes les quilles à la vanille. Froussard toi-même? Je voudrais bien t'y voir, toi. T'as vu comme elle me regarde? On dirait qu'elle va me sauter dessus. La Blanchette est très fière d'elle. Elle agite un peu ses ailes. Cocotte-cocotte-cocotte-codec. Miam, 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 c'est du pain sec. Il faudrait aussi du grain, car ces petits oiseaux ont faim. Trois grains de blé feront l'affaire pour nourrir ses trois petits frères. Les poulettes sont énervées, c'est bientôt l'heure du dîner. La fermière va pas tarder, cote, 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 codée. Elle sera toute étonnée d'avoir trois petits nouveau-nés. Aujourd'hui, monsieur le coq, il n'y aura pas d'œuf à la coque. Les enfants, où êtes-vous? Mince, c'est maman. Si elle nous trouve ici, elle va nous gronder. Elle a toujours peur qu'une poule nous pique avec son bec. J'espère que vous n'êtes pas encore fourrés dans le poulailler. Non, non, on est à côté, mais pas dedans. Juste on regarde. La Blanchette a fait trois petits poussins. Eh bien, ça nous fera trois poulets de plus. On les mangera au printemps. Maintenant que j'ai vu les petits poussins, ça non, je ne mangerai plus jamais de poulet. Eh bien, tu me donneras ta part. Qu'est-ce que tu peux être cruel, toi, alors ?